Pour cette troisième interview, là, je vous fais une surprise. Vous n'avez jamais vu ça. On va voir des œuvres extraordinaires. Elles sont faites en carton. C'est de la dentelle de carton. Et c'est fait par Cathy. Cathy, donc, qui va nous parler avec joie là, de tout ce qu'elle fait. Elle va nous expliquer comment elle s'y prend. C'est impressionnant. Regardez, donc, elle s'appelle, son nom d'artiste, c'est Cathy Do. De toute façon, vous aurez toutes ses coordonnées, donc, en bas de la vidéo, bien entendu. Donc, pour ça, Cathy, allez, parle-nous un petit peu. Comment t'y prends-tu pour faire ces merveilles? Bonsoir tout le monde, j'ai commencé le carton il y a 18 ans. J'ai pas compris parce qu'on n'entendait pas bien. Faut que je m'approche, Non, vas-y, continue. Donc j'ai commencé le carton il y a 18 ans par des meubles en carton. Oui. Après je suis passée aux lumières pour atterrir maintenant à la sculpture en dentelle. Parce que j'aime cette matière, j'aime la douceur qu'elle dégage et la transparence surtout. Donc je fais mes propres sculptures et je propose aussi aux gens de faire leurs sculptures à la demande. Par exemple, comme cette statue de femme enceinte qui m'a été demandée par la, qu'est-ce que c'est beau, la maman des enceintes qui veut garder cette sculpture en 3D comme souvenir. Cette féminité, oui, bien sûr. Des sculptures d'enfants, de sculptures pour les mariages aussi. Mais alors, donc, explique-nous, comment tu fais? Donc, c'est du carton. C'est du carton fin, apparemment. Hein. C'est du carton qui est coupé en lanières, comme ça. Ah oui. Qui sont travaillés, collés sur des moules, afin d'obtenir... Attends, tu fais un moule et tu obtiens la forme. Ouais. Et après, il y a de la résine dessus. Non, il y a juste quoi? La colle. Juste la colle, comme d'accord. Comme le carton s'amide de colle, il devient très dur. Oui. Et ça garde quand même une bonne solidité. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez un petit peu, il y a même donc cette lampe. Mais cette danseuse-là, elle est ravissante. Hein. Oui. On peut inclure du fer. Oui. On peut faire des trous, des inclusions, on peut s'amuser, il y a plein de projets. Il y a un monsieur tout à l'heure qui nous sollicitait pour faire une vague éclairée comme la pub. Et ma foi, c'est un beau projet qui me parle bien, donc je pense que on va y aller. Là, oui. Voilà. Et tu es donc à Biot, tu es où non, toi? Je suis à Nice. Ah oui, c'est vraiment, plus je le sais, je t'avais vu à Nice une fois à Nice. Je fais des expositions. La prochaine exposition, c'est l'exposition Gelmuckart à Monaco, qui se tiendra en octobre, qui est une œuvre de charité. D'accord. On va. J'expose une pièce. D'accord. Voilà. Et après, j'ai d'autres expositions. Oui. Montpellier, mais c'est pas encore finalisé. D'accord, mais ça de toute façon, les gens vont aller sur ton site, ils vont te contacter. Oui, tu es contente. C'est ma première fois, je suis ravie. Et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bah, c'est super, merci beaucoup Cathy. Donc mon nom c'est Cathy Do, j'ai un site internet qui s'appelle cathydo.com. Je vais noter toutes les coordonnées. À ce nom-là aussi. Voilà. D'accord, au revoir Cathy. Bonne soirée, merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.